Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe, en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Il s'amuse à creuser le sable avec un coquillage. Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman. Tout à coup, un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Les singes se cachent. Les oiseaux s'envolent. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur.
Au bout de quelques jours, bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné, parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Oh, que de choses nouvelles, ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, ils sont très bien habillés. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire? Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci, madame. » Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. Puis, il prend son bain. Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux, car il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. Thank you.
2 années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre 2 petits éléphants tout nus. Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux costumes. Ensuite, il les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux. Pendant ce temps, dans la forêt, les éléphants cherchent et appellent Arthur et Céleste, et leurs mamans sont bien inquiètes. Heureusement, en volant sur la ville, un vieux marabout les a vus. Vite, il vient prévenir les éléphants. Les mamans d'Arthur et de Céleste partent les chercher à la ville. Oh, elles sont bien contentes de les retrouver. Mais ils les grondent tout de même parce qu'ils se sont sauvés. Babar se décide à partir avec Arthur, Céleste et leur maman et à revoir la grande forêt. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse sa vieille amie. Il lui promet de revenir. Jamais il ne l'oubliera. La vieille dame reste seule. Triste, elle pense « Quand reverrai-je mon petit Babar ?»
Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière. Même jour, hélas, le roi des éléphants, au cours d'une promenade, a mangé un mauvais champignon. Empoisonné, le roi était bien malade. Si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Juste à ce moment, ils entendent du bruit. Ils se retournent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Babar, qui arrive dans son auto, et tous les éléphants qui courent en criant « Les voilà, les voilà, ils sont revenus. Bonjour Babar, bonjour Arthur, bonjour Céleste. Quel beau costume, quelle belle auto !» Alors Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante « Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar ? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. » Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. « Je vous remercie tous, » dit alors ce dernier. « Mais avant d'accepter, je dois vous dire que, pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar ! Crient tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Babar dit alors à Cornelius, « Tu as de bonnes idées. Aussi, je te nomme général, et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau melon. Dans 8 jours, j'épouserai Céleste. Nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. » Ensuite, Babar demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux à ses noces. «
les invités commencent à arriver. Le dromadaire, chargé d'acheter à la ville de beaux habits de noces, les rapporte juste à temps pour le mariage. Mariage de Babar. Couronnement de Babar. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. Les oiseaux se mêlent à l'orchestre. La fête est finie. Et la nuit est venue. Les étoiles se sont levées.
roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Maintenant, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents. Mais fatigués d'avoir trop dansé. Longtemps, ils se rappelleront ce grand bal. Et c'est fini.